Salut à toi et bienvenue en Japanais. Alors aujourd'hui le thème du jour, ah oui, il va falloir le deviner. Indice qui s'affiche en bas de votre écran. Culture japonaise, attention, je suis un festival ou fête populaire traditionnelle japonaise qui se déroule dans pratiquement toutes les localités. Je suis la plupart du temps lié à une célébration religieuse, le plus souvent le shintoïsme. Je suis... Cucumber, yes, cucumber. Matsuri. 30 ans. T'avais qu'à lire le titre. Si je te dis Matsuri et que tu t'y connais un petit peu en culture japonaise, tu dois très vite avoir l'image en fait du Matsuri lié à la célébration d'une divinité shintoïste, où tu vas avoir des mikoshi, donc ces palanquins divins qui vont être portés par les fidèles pour pouvoir balader la divinité en fait dans la ville ou autour du quartier. Donc ça c'est l'un des types de Matsuri que tu peux trouver très largement au Japon, mais à côté de ça, t'as aussi des Matsuri qui sont liés à des événements historiques ou des événements saisonniers. Donc la semaine passée, je me suis rendu dans un Matsuri saisonnier qui se déroule chaque année le dernier week-end du mois d'août, l'Azabujudan Norio Matsuri. Et alors Norio, ça signifie soirée rafraîchissante. Alors c'était un Matsuri très sympa, mais on était des milliers de personnes agglutinées dans les rues, et il faisait à peu près 35 degrés en fin de journée. Je peux te dire que le côté rafraîchissant, je le cherche toujours. Donc en tout cas, ce Matsuri, c'est l'un des plus tendances à Tokyo, parce qu'il se situe dans le quartier d'Azabujudan, qui est un quartier assez artistique, un quartier assez bobo, donc assez prisé par les jeunes. La vibe y est plus basée sur le côté fun que sur le côté traditionnel, mais ça n'empêche que ça retransmet pas mal hein, tout ce que tu peux trouver dans les Matsuri japonais, vraiment tout le folklore, tout ce côté atypique qui fait la caractéristique propre de l'événement. Sans surprise, comme tout bon Matsuri qui se respecte, on a un grand nombre de yatai. Vous savez, ces petits stands où l'on peut se procurer nourriture et boissons. Le grand classique des yatai, ce sont les trois yaki, c'est-à-dire takoyaki, okonomiyaki et yakisoba. Ce sont vraiment les trois mets que vous trouverez absolument partout dans chaque Matsuri au Japon. Ajoutez à cela de la glace pilée appelée kokigori et une petite namabiru, et vous avez le quintet gagnant de ce qui est en général consommé dans ces événements. Du coup, j'ai pu rencontrer quelques japonais, et bon, vous commencez à connaître le refrain, j'en ai profité pour poser quelques questions à ces japonais, pour leur demander en fait ce qui faisait le charme de ces Matsuri, pourquoi est-ce qu'ils venaient, pourquoi est-ce qu'ils étaient prêts à braver toutes ces marées humaines afin de profiter de l'événement. Donc je vous laisse regarder, et on se retrouve juste après. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Atsu so. Atsu, ils sont atsu. Atsu. Atsu desu, atsu. Nice team, nice team. よし、祭り。あの、今混んでいるけど、何が楽しいですか？雰囲気？雰囲気。祭り気分。友達と飲むために。夏を感じたい。ワイワイワイワイ。なんでワイワイってなんて言えばいい？なんて言えばいいの？盛り上がる。楽しい。なんか屋台。そう、屋台だったりとか、人の多さだったりとか。暇だから。おすすめの料理？料理、シャンパン。シャンパン。シャンパン？お酒。お酒？お酒。どのぐらい飲みました今日？一人一本。一本？一本？あ、そうか。ボトル一本。ボトル一本。キュウリ。キュウリ。Do you know? Do you know キュウリ？いや、キュカンバー、キュカンバー。キュカンバー、yes、キュカンバー。キュカンバー、yes、yes。漬物と、インフランス、フランス語で、フランス語でなんて言うの？コンコンブ。コンコンブ。コンコン？コンコンブ。コンコンブ。Yes, yes, yes, yes. Really? Yes. コンコンブ。コンコンブ。Delicious. Delicious? おすすめは？なんだろう。今何食べた？焼きそば食べました。あとビール。美味しかった？Il y a... Bon, c'est déjà un peu tard, donc on a loupé le peak time, on va dire, mais il y a encore une très bonne ambiance. On sent que les gens sont un petit peu alcoolisés. On voit des gens qui font du kanpai à droite à gauche. Il y a des yakisoba qui sautent. Il y a vraiment une bonne ambiance. Bon, ça bouge un peu dans tous les sens, mais on passe vraiment un bon moment. We all Japanese cannot speak English not so well, you know? Yeah, like me, yeah. いつから始めた?いつから?3年前から年一で出してます。3時から今日は、今日は3時から。3時から?いつまで?9時まで。9時、9時。Is it movie? It's a movie. So Showa Bon era? So stop motion is good on me, eh? Anyway. Which do you like? Yeah. It's not play. Real. Yeah. 遊びじゃない。Wow. 本気よと。ね。Yeah.
simultaneous translation. Thank you. Nani Yo-yo to Super Bowl skate. Nakade, shateki. Shateki. Super Bowl. Wow. Mushirai. Japanese favorite ball. Tambori. Ja, ichiban osusume no yatai wa nan desu ka? Koko desu. Koko. Koko? Uchi, uchi, uchi. How do you think about North Korea's North Korea? Government? Yeah. Kowai ne. Yeah, missile? No, no. I have one missile. You know? Yeah. Oh, be careful, you know. The most dangerous missile I have. Oh, oh, oh. Please be honest with me. Thank you. Alors oui, il fait chaud parce qu'on est tous concentrés dans un si petit périmètre, mais quel régal de pouvoir profiter de l'atmosphère, de voir tous ces gens en tenue traditionnelle en yukata, de voir tous ces sourires, ces visages habituellement fermés, de profiter de cette jovialité, que ce soit avec des amis ou de parfaits inconnus. C'est ça aussi le Japon qu'on aime, et c'est ce qui fait que je l'apprécie autant. Voilà, j'espère que tu auras appris un peu plus sur les Matsuri, j'espère vraiment que tu auras la chance d'en contempler un, d'en voir un par toi-même, puisque c'est quand même une grande composante de la culture japonaise, donc vraiment c'est tout ce que je te souhaite. Et puis si jamais t'avais l'occasion de t'y rendre, qu'est-ce qui t'intéresserait le plus en fait? Est-ce que ce serait plus le côté bouffe, les yatai, etc. Ou est-ce que ce serait plus le côté humain, rencontrer les gens, parler avec n'importe qui? Ou peut-être même juste le côté culturel avec l'aspect historique, la parade des Mikoshi, peut-être voir l'infrastructure du temple, etc. Je sais pas. Dis-moi dans les commentaires. Bon, comme d'hab, si la vidéo t'a plu et que t'as appris quelque chose, t'oublie pas de lâcher le petit pouce des familles qui fait toujours plaisir. Sur ce, moi je te dis merci d'avoir regardé. Tchou tchou bye bye et à la prochaine.